actuellement à l'Inter Miami, Lionel Messi, 37 ans, a été proche d'un retour au FC Barcelone l'été dernier. L'histoire aurait été belle pour l'Argentin, qui a le club catalan dans le cœur. D'ailleurs, il n'a pas voulu trahir les culés par le passé, comme l'a expliqué son ancien agent, Horacio Gaggioli, lors d'un entretien à Cura. Le Real Madrid était intéressé quand Messi était jeune, qu'il avait entre 16 et 17 ans, mais le haut n'a jamais voulu quitter Barcelone. Arsenal a montré de l'intérêt pour Messi à ses débuts, mais la réponse a été la même, a-t-il expliqué. Mais Messi a juré fidélité au Barça, avant de s'en aller libre au PSG en 2021. L'été dernier, les problèmes financiers des Blaugrana ne lui ont pas permis de revenir dans son ancien club. Le fils de l'ancien latéral gauche du Real Madrid continue son petit bonhomme de chemin dans les équipes de jeunes meringues. Depuis des années déjà, Enzo Alves Fiera, qui n'a même pas fêté ses 15 ans encore, est considéré comme un des joueurs les plus prometteurs de la Fabrica du Real Madrid. Et sa cote n'est pas excellente qu'à Madrid, puisqu'il est déjà régulièrement appelé dans les sélections de jeunes de l'Espagne. Le fils aîné de Marcelo vient d'ailleurs d'être appelé en sélection U16, étant donc clairement surclassé, lui qui évoluait déjà, avec les U15 depuis ses 13 ans. Numéro 9 létal dans la surface rivale, il excelle au niveau du placement et de la lecture du jeu dans les derniers mètres, où son physique assez développé lui permet de prendre l'avantage facilement sur les défenseurs rivaux. Le tout, avec une qualité technique exceptionnelle, sûrement héritée de son père. Il a déjà largement dépassé la barre des 100 buts, avec les équipes de jeunes madrilènes, où il est arrivé en 2019, et comme l'indique Relevo, il vient aussi d'être surclassé au sein de la Casablanca. Les dirigeants de la formation madrilène ont d'ailleurs pris une décision radicale. Il va désormais jouer avec les juvéniles B, soit l'équipe B des U19, qui est généralement composée de joueurs nés en 2007. Du haut de ses 14 ans seulement, l'attaquant va donc sauter deux catégories d'âge, ce qui est extrêmement rare à Madrid, et qui témoigne de sa précocité et de son talent. Il faut dire que l'an dernier, malgré quelques pépins physiques, il a terminé la saison avec 24 buts en 18 matchs, et la saison d'avant, il avait terminé avec 40 réalisations et 10 passes décisives au compteur en seulement 20 rencontres. Déjà sous contrat professionnel, le Real Madrid l'a récemment blindé jusqu'en 2028, conscient que c'est un joueur qui a le potentiel pour atteindre l'équipe première un jour. Sa progression est fulgurante, et tant les madrilènes que la sélection espagnole le chouchoutent. Au sein du club de la capitale, on le considère d'ailleurs comme un attaquant, comme il n'y en a plus aujourd'hui, selon le média espagnol. Rendez-vous dans quelques années donc.